quand on ouvre le fichier. C'est comme ça, c'est. Et on se connecte, identifiant et notre mot de passe. Alors, après avoir ouvert le fichier, après avoir être connecté, on est à la page de bienvenue. Et il y a juste deux boutons, hein, cliquer ici et out. Out, si on clique sur ça, on ressort. Cliquer ici, on clique. Bon, j'ai ajouté ce petit bouton pour juste afficher les feuilles. Si vous voulez, vous pouvez afficher les feuilles. Il y a d'autres qui ne veulent pas que les feuilles se fassent voir. Donc, c'est pourquoi les feuilles ne sont pas visibles. Donc, si vous voulez, on va faire pour voir les feuilles. Donc, mais à défaut, les feuilles ne seront pas visibles. Donc, on clique sur ça. Une fois sur ça, il y a plusieurs boutons. Donc, la première des choses, c'est le paramétrage. Ensuite, on peut faire la gestion de l'unité, on peut prévoir les recettes, on peut prévoir les dépenses. Donc, il y a l'enregistrement, les opérations pour tirer la période. Maintenant, il y a les rapports, le rapprochement bancaire, et il y a imprimé les rapports. Maintenant, ça, c'est pour les associations. Donc, voilà. Pour les associations. Ok, sans plus tarder, nous allons commencer avec le paramétrage. Donc, la première des choses, c'est de renseigner le nom de l'ONG ici. Le nom de l'ONG ici. Par exemple, ONG. Même si c'est pour, si c'est service public, ça marche. Mettez le nom de votre service. Donc, peu importe la structure, si c'est une église, si c'est une association, mettez le nom de la chose. Maintenant, si vous avez un slogan, mettez notre slogan. Notre slogan. Ce qui est sûr, la plupart des structures ont des slogans. Maintenant, vous mettez le numéro de téléphone, le contact, le nom du responsable. Vous voyez, quand vous pointez même le curseur sur un élément, il y a une description en bas. Le nom et prénom de celui qui approuve les rapports financiers, vous voyez, son titre. Donc, dans certaines structures, c'est le directeur. Dans d'autres structures, c'est le président. Dans d'autres structures, c'est tel. Vous voyez, non, le préfet, tel. Donc, vous mettez son titre. Donc, on n'impose rien là-bas. Maintenant, ici, le nom du gestionnaire, par exemple, le nom du comptable ou bien le nom de celui qui prépare les rapports financiers, vous mettez donc son titre. Et vous mettez le lieu. Maintenant, ça, c'est pour les associations. Si c'est pour les associations, il y a toujours les frais d'adhésion et autres. Donc, vous mettez le montant de frais d'adhésion et il y a souvent les cotisations fixes. Vous mettez le montant et vous validez. Donc, c'est comme ça. Ici, on a changé par mon ONG et puis on va mettre... Bon, ici, on ne met plus rien. On valide d'abord. On dit enregistrer. Maintenant, et la deuxième des choses, c'est les types de recettes. Les types de recettes. Donc, dans chaque structure, il y a les types de recettes. Dans les ONG, les recettes sont différentes, de différentes catégories. Il y a les fonds pour, par exemple, les fonds pour VIH, les fonds pour la santé de tel, les fonds pour environnement, les fonds pour tel, les fonds pour tel, les fonds pour les enfants parrainés, les fonds pour les enfants handicapés, les fonds pour les... Donc, il y a plusieurs catégories de recettes. Maintenant, et par exemple, je mets fonds santé, fonds de santé. Fonds santé, fonds de scolarité, fonds pour la scolarité, fonds scolarité, scolarité. Fonds, il y a les fonds locaux, fonds locaux, les fonds locaux. Donc voilà, il y a plusieurs types de fonds que vous mettez. Maintenant, au niveau des dépenses, il y a plusieurs types de dépenses aussi. Il y a les catégorie de dépenses. Donc, par exemple, il y a les dépenses pour les fournitures de bureau. Donc, au niveau des dépenses, il y a plusieurs types de dépenses. On peut avoir les dépenses pour les fournitures de bureau. On peut avoir les dépenses pour les charges du personnel.
Donc, tu peux avoir les dépenses pour les matériels, de bureau. Tu peux avoir les dépenses pour les frais divers, tout de suite. Donc, après avoir créé ça, ce sont des catégories de dépenses. On vient pour créer les détails. Pour les fournitures de bureau, par exemple, il y a par exemple les papiers, là, il y a l'encre, il y a les trombones, il y a les agrafeuses, il y a beaucoup de choses. Pour les fonctions de bureau, les classeurs, les séparateurs de dossiers, ainsi de suite. Ce sont des fournitures, feutres, blanco, donc souligneur, tout ça, ce sont des fonctions papier, papier, comme ça. Les fonctions de bureau, vous créez ça quoi? Vous créez vos types de dépenses. Encre pour les séparateurs, les séparateurs. Donc après avoir fini pour de bureau, vous changez ça pour les charges du personnel, par exemple le salaire de directeur, salaire du directeur. Donc, vous créez quoi? Un salaire, des bénévoles, des volontaires, quelque chose. Donc, pour matériel, il y a par exemple matériel pour ordinateur, par exemple. Matériel informatique quoi, matériel informatique, imprimante de terre, véhicule. Maintenant les frais divers, les agios de banque, les agios bancaires, frais bancaires, hein. les frais de communication, frais de téléphone, déplacement, ainsi de suite, téléphone, voilà. Donc, ce qu'on va faire ensuite, ce qu'il faut faire, c'est l'initialisation des comptes. L'initialisation des comptes, c'est quand, par exemple, vous prenez le fichier pour la première fois, il faut initialiser les choses. Par exemple, à la banque, vous aviez combien? À la caisse, vous avez combien? Donc, vous mettez les montants. Et sur chaque type, chaque catégorie de recettes, le solde était combien avant que vous ne commenciez? Donc, c'est ça. Donc, par exemple, à la caisse, on a 200 000. 1, 2, 3. Et puis, à la banque, on a, par exemple, 1 million. Donc, ça fait 1 million 200 000. Donc, au niveau des fonds santé, par exemple, c'est 500 000. Et au niveau de fonds de scolarité, c'est 600 000. Et puis, au niveau de fonds locaux, c'est juste 100 000 maintenant. Vous voyez qu'il y a validé qui apparaît, puisque c'est équilibré. Si ce n'est pas équilibré, validé ne va pas apparaître. Voilà, donc après avoir configuré les choses, on va revenir maintenant sur Feuille pour voir ce qui se passe. Il y a bon, d'abord les opérations, vous voyez l'initialisation là, ce que ça a fait, l'initialisation des comptes. Donc c'est la feuille là, vous verrez à ça. Donc la feuille rapport financier, vous voyez comment c'est. Il faut d'abord que ça soit initialisé, d'abord, que ça soit qu'on clique sur rapport d'abord avant que les chiffres apparaissent. Donc les trois catégories de fonds qu'on a créé, c'est ça ici. Maintenant, il y a le rapport de dépenses, toutes les dépenses que nous avons créées, fonds de bureau, papier RAM, tout, charges personnelles. Donc avec les grands totaux, quoi. Rapport budgétaire. Donc avec la configuration du nom de l'ONG comme on avait fait, ça apparaît. Donc si on change, vous allez voir qu'il y a certains chiffres ici. Donc ça c'est peut-être quand j'étais en train de faire le test de l'autre côté, il y a eu encore quelque part. Je n'aime plus réinitialiser ça. C'est ce qui fait que c'est venu ici. Donc je vais me retrouver. Pour le budget aussi.
c'est bon. L'initialisation au niveau de la trésorerie, c'est bien aussi. C'est avec les soldes en même temps. C'est avec les soldes. Ça, c'est solde. Qu'est-ce que ça? Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà comment ça y est d'abord. Alors, maintenant, on va faire la gestion budgétaire. Donc, comme à chaque début de période, on fait toujours le budget. Donc, c'est pourquoi la première des choses, c'est le budget. Donc, le budget des recettes d'abord. On va faire le budget des recettes avant de faire le budget des dépenses. Donc, quand on ouvre ça, le mois en cours, c'est ça qui vient en premier pour vous faciliter la sélection, quoi. Donc, quand vous sélectionnez ça, il y a une question qui est posée. Vous dites oui seulement. Si vous faites votre budget chaque mois, ça. Mais si ce n'est pas chaque mois, vous allez dire non pour personnaliser. Donc, c'est ce qu'on peut faire pour vous aider. Donc, vous sélectionnez la catégorie de recettes. Vous mettez les chiffres. Par exemple, on sait que au du mois de juin, on peut encaisser 1 million. 1 million, on fait comme ça. Et on sait que les frais de scolarité, on peut encaisser au moins 500 000. On sait également que les fonds locaux, ça peut faire juste 600 000. Donc, comme ça. Bon, si on est en train de faire et puis il y a une erreur, on peut supprimer. Hein? Vous voyez, non? Vous voulez supprimer? Oui. Vous voyez ce que ça donne. Ainsi de suite, quoi. Donc, on continue. Donc, on retient que les fonds locaux, on n'a plus enregistré ça. Hein? Donc, ensuite, ce qu'on va faire maintenant, on va faire la gestion budgétaire pour les dépenses. On va prévoir les dépenses maintenant. Donc, comme de l'autre côté, on choisit aussi le mois. Et puis, ça va remplir automatiquement. Donc, on choisit la catégorie de dépenses. Et il y a les sous-catégories qui vont sortir ici. Donc, par exemple, fourniture de bureau, il n'y a pas de rang. On prévoit ça. Car ça, c'est juste les prévisions. Hein. Change pour les charges du personnel, donc pour le salaire de directeur, on prévoit 150 000 €. On change encore pour le salaire de comptable, donc ça c'est en début de mois. Ça est. Okay. Ainsi de suite, quoi, c'est bien respecté. Salaire des volontaires par exemple, et on change ça pour matériel et la masse de la créer. Voilà la raison pour laquelle vous créez les types de catégories au début. Si quelque chose n'existe pas, vous allez créer ça, ainsi de suite. Donc, comme je le disais, donc si vous voulez supprimer quelque chose, vous sélectionnez, vous supprimez, soit non. Donc, c'est ça. Effectuer avec succès. Donc, c'est déjà OK. Maintenant, ensuite, ce qu'on va faire maintenant, c'est les enregistrements. Les enregistrements. Ça, c'est les prévisions qu'on a fait. On va faire exécuter maintenant. Ça, c'est l'exécution qu'on veut faire ça. Donc, ça, c'est pour les recettes. Si on veut enregistrer les recettes, c'est ce qu'on va faire. Si c'est pour les associations, vous pouvez choisir ici. Mais si ce n'est pas pour les associations, vous laissez ces deux champs-là vides. Ce n'est pas grave. Verser par le nom de celui qui a versé, Paul Bittier. Motif fonds santé. Bon, juste pour trouver de quoi dire, hein. 700 000, 1, 2, 3. Donc si c'est à la caisse que vous versez ou bien si c'est à la banque, ça dit c'est comme ça, quoi, vous choisissez. Donc c'est comme ça. Numéro matricule, donc ça aussi vous laissez ça vide, NA. C'est juste quand il s'agit des associations.
Valider. On dit, est-ce que vous avez besoin d'un reçu pour ça? Si vous avez besoin de reçu, vous dites oui. Sinon, dites non. Par exemple, oui. Voilà. Donc, voilà, c'est ce qu'on vient de faire. Je vais diminuer ça. Vous voyez, c'est en deux exemplaires hein, que vous puissiez imprimer. Donc, tout est bien clair là-bas. Le nom de l'ONG avec le numéro de téléphone, bon, c'est comme ça, il est prévu ça. Et le montant, 700 000, tout est OK, quoi. Vous imprimez et puis vous remettez. Ça dit, vous pouvez garder ça comme archive. Vous pouvez garder ça comme archive. OK. Donc, on va continuer avec d'autres recettes. On va montant versé 500 000 fois. Ça, la caisse aussi. Si on dit vous voulez un reçu, vous dites non. Donc, si vous voulez reçu, vous dites oui. Si vous ne voulez pas reçu, vous dites non. Voilà. Les fonds locaux, versés par lui-même. Comme c'est celui qui était en train d'enregistrer. Ok, donc c'est pas grave, si c'est ça. Patientez-vous toujours, puis ça l'enregistre. Donc, c'est comme ça. Et c'est fini, on vient au niveau des dépenses. Donc, au niveau des dépenses, c'est la même chose. Surtout ici, c'est très important. Écoutez bien. Vous voulez dépenser sur quel type de, sur quelle catégorie de recettes? Donc, vous choisissez dépenser sur. Donc, je vais dépenser de l'argent, mais je vais dépenser ça sur les fonds locaux, sur les fonds de santé, sur les fonds de téléphone. Dépenser sur les fonds de santé. Voilà. Maintenant, catégorie de dépenses, vous choisissez budget de bureau. Maintenant, détail, vous choisissez maintenant, par exemple. Donc, si vous avez acheté l'encre, vous mettez le montant. Et c'est sorti à la caisse ou bien c'est à la banque. C'est à la caisse. Vous laissez s'accrocher comme ça. Par défaut, c'est à la caisse. Donc, ici, même, il n'y a pas à faire de reçu. Donc, bon, je vais enlever ça. Ainsi de suite, quoi. Sur les fonds de santé, toujours. Nous voulons acheter les fournitures de bureau, mais plutôt les papiers RAM. Le montant, c'est 10 000. Mais c'est à la banque, hein. Donc, ainsi de suite. Voilà. Ainsi de suite. Pour les fonds de scolarité, on va dépenser pour acheter pour les charges du personnel. Donc, c'est pour salaire du directeur. Directeur. Le montant, lui, prend 150 000. Voilà. Donc, vous voyez. Quand j'ai saisi de n'importe quoi ce que ça me fait 150 000. On a posé une question, quel est le montant? Donc c'est ça. Donc il n'y a pas possibilité de commettre une petite erreur bête comme ça, hein? Non. Donc sur les mêmes fonds, les fonds de scolarité, j'enlève salaire du comptable. Comptable, il prend par exemple 200 000. Oh non, qu'est-ce que j'ai saisi là? 1, 2, 3. Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est OK. Alors, la chose qu'on va faire aussi, c'est les virements internes. Bon, les virements internes, c'est quand par exemple, vous voulez prendre de l'argent à la caisse, aller verser à la banque ou bien vice-versa. Donc, aller retirer l'argent à la banque pour venir déposer ça à la caisse. On parle de approvisionner la caisse. Donc, si vous voulez faire un dépôt à la banque, vous enlevez l'argent
à la caisse pour la banque, vous laissez ça coché. Par défaut, c'est comme ça. Soit vous faites comme ça, le contraire, retrait de banque ou vers la caisse. Comme ça, le responsable, celui qui effectue l'opération, bitier, même, description, dépôt, dépôt, ce jour, pour, donc le montant déposé, c'est, bon ça c'est retrait plutôt, hein. Le montant qu'on a retiré à la banque, c'est par exemple 200 000, 1, 2, 3. Maintenant, ref, bon, ça, normalement, c'est le reçu qui, c'est la référence qui se trouve sur le bordereau de versement qu'il faut mettre là-bas. Voilà. Et on demande la confirmation. Voulez-vous augmenter le compte caisse d'un montant de 200 000? Juste pour que vous soyez rassuré, quoi. Effectué avec succès. Donc, en réalité, là-bas, il n'y a pas grand-chose. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va voir les opérations. Donc, ici, juste ça nous permet de voir les opérations qui sont faites. Donc, par caisse ou bien par banque. Voilà. Maintenant, tout. Voilà, ça, c'est simple. Maintenant, par exemple, si on cherche une opération quelconque, ça on cherche, on peut renseigner ça ici, hein. Par exemple pour les NA seulement, donc on peut faire sortir ça. Ça c'est, et il y a les soldes ici aussi, il y a les soldes ici en même temps. Alors donc ce qu'on va faire maintenant, c'est on va faire le rapprochement bancaire et imprimer les rapports. Bon, et on va s'arrêter là. Bon, le rapprochement bancaire, c'est pas grand chose, hein. C'est bien 7 millions 3, c'est juste, hein. Et les montants des sorties, les montants des sorties en suspens, les chèques sortis mais qui ne sont pas encore, dont les détenteurs ne sont pas allés retirer. Donc c'est ça, on met ces montants là. Maintenant les rapports, vous choisissez la période de rapport, ça, et puis vous cliquez comme ça. Vous voulez imprimer le budget, oui. Vous voulez imprimer le rapport financier, oui. Vous voulez imprimer les écarts, oui. Vous voulez imprimer le rapport des dépenses, oui. Ce que vous voulez, vous dites oui. Ce que vous ne voulez pas, vous dites non. Et comme ça, vous attendez. Vous attendez, ça va faire, ça va télécharger en PDF. Donc ça prend souvent quelques secondes. Vous pouvez aller directement sur Excel aussi voir un d'imprimer ça sur lieu d'imprimer sur donc, vous voyez. Le rapport budgétaire, vision et les dépenses. Ok, c'est ça. Je vais augmenter la taille. Ok. Ici. Ça, c'est oui, ça c'est bon. Ça c'est rapport financier, ça. Ça c'est rapport financier. Et ça c'est le budget. Ça c'est le budget. Avec les soldes en même temps. Voilà.
Ok, voilà, sur la feuille Excel, c'est ça. Bon, quand on au fur et à mesure qu'on est en train de créer les recettes ou bien les dépenses, ça s'enregistre et puis les formules s'enregistrent. Donc, vous voyez, les formules s'enregistrent. C'est comme ça. Donc, et quand on enregistre les opérations, les formules s'automatisent et les calculs se font automatiquement pour tirer les soldes. Ça, c'est la trésorerie. Donc, vous voyez le rapport. En temps normal, le solde qui est ici doit être égal au solde qui est ici pour que le rapport soit équilibré. Donc, c'est ça. Ici, bon, il y avait mis juste le solde qui ne passait pas à la tête. Quoi. Donc, ça devait être 1 640 000. Donc, continuons avec le rapport des dépenses. Donc, le rapport des dépenses, c'est ça. Les charges du personnel s'élèvent à 354 000. Donc, c'est les deux là qui font les 354 000. Dans les fournitures de bureau s'élèvent à 15 000. 10 000 plus les 5 000. Donc, voilà. Maintenant, le rapport budgétaire. Ici, il y a eu quelques petits soucis. Donc, c'est ça. Les recettes ne sont pas sorties. Je vais gérer ça. Donc, j'ai enregistré. Je n'ai pas vérifié. Mais, on peut voir comment ça est. Donc, au niveau des... La prévision est enregistrée, mais les dépenses... Les réalisations ne sont pas enregistrées. Bon, je vais... Bon, on peut même faire ça à la main levée, hein. Mais je vais corriger ça bien sûr tout à l'heure. Maintenant, le budget, c'est là aussi. Donc, les recettes ne sont pas arrivées ici. La place des recettes est vide. Je vais voir la liste des opérations. C'est ça. Ok, ça autre c'est bon avec les soldes. Ce que les formules ne sont pas automatisées, c'est dû à un petit dysfonctionnement ici que je vais corriger.